Hello, hello les invités sur la blog, j'espère que vous avez la forme et que vous portez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur les Terra Luna Classic. Eh bien, on va parler du plus grand défi de Terra Classic. Est-ce que le drame est inévitable pour les jours et les semaines à venir pour retrouver ensuite un peu de vert? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à activer la petite cloche de notification afin de recevoir chaque jour l'actualité brûlante. Et bienvenue à toi, et bien si tu es débutant et en, ou non investi dans les crypto-monnaies dans le but de te permettre de savoir quoi acheter, quand vendre, trouver les meilleurs projets et sans avoir peur de perdre de l'argent. Nous commençons donc cette vidéo avec la blockchain Terra Luna qui a connu un effondrement brutal cette année, mais au lieu de disparaître complètement, elle s'est rebaptisée Terra Luna Classic. La nouvelle blockchain se veut révolutionnaire avec une panoplie de projets prévus. Elle veut prouver que Terra a encore de beaux jours devant lui, mais Luna 2.0 ne semble pas décoller aussi vite que les enthousiastes l'auraient souhaité. Et les professionnels s'accordent à dire que Terra Luna Classic a un grand défi à relever pour réussir à se développer pleinement. Découvrez quel est ce défi. Eh bien, nous allons en parler justement. C'est que les système qu'on peut voir Terra Luna est en train de se redresser donc petit à petit pour pouvoir réussir et bien tout simplement à retrouver des niveaux corrects. Mais à quel niveau cela pourra-t-il monter? C'est ce que je vous explique dans ce e-book que je vous offre avec donc le lien qui se trouve en description, votre guide complet offert sur Luna Classic. Il est offert, n'hésitez pas, c'est un rapport qui est très complet où je vous indique pas mal d'informations. Alors on peut voir que selon Will Chen, cela pourra être compliqué d'attirer des projets pour construire sur Terra Classic jusqu'à ce que les rebelles comprennent pour qui ils travaillent. Il y a différents points à clarifier pour que Terra réussisse pleinement à faire son retour à travers Terra Classic. Et on peut voir également que selon le fondateur, Lunk a actuellement un statut de billet de loterie. En effet, ce sont principalement des joueurs visant un gain d'argent rapide qui achètent la crypto-monnaie. Et si Terra veut faire un retour impressionnant à travers Lunk, eh bien, il faut que la communauté construise un cas d'utilisation légitime pour celle-ci. On l'a vu, Terra Luna aujourd'hui est bien en train de renaître petit à petit de ses cendres. Mais encore aujourd'hui, faut-il vraiment être très prudent quant à donc l'investissement qui reste très risqué, je présume, en tout cas chacun voit midi à sa porte, mais je présume d'utiliser que 5% de son wallet ou 10% de son wallet pour pouvoir acheter du Terra Luna Classic, et l'avenir nous le dira bien évidemment, et tout ça j'en parle dans le e-book, donc n'hésitez pas à le télécharger. Nous allons maintenant parler des chiffres sur CoinMarketCap. Allez, nous allons donc chercher ensemble la crypto-monnaie, Terra Classic, pour regarder un petit peu ce qu'il en est au niveau des graphiques, comme on a l'habitude de le faire et de l'analyser pour pouvoir tout simplement se rendre compte de l'avancée des différents projets. On peut voir que Terra Luna reprend du vert, on était descendu au 2008-2007. Donc, en ce qui concerne notre analyse graphique, nous allons le faire tout de suite ensemble, tant que cela charge. Nous allons voir donc l'analyse tout d'abord en un mois. Donc, en un mois, il faut être très prudent. En tout cas, pour l'instant, il faut tout simplement attendre la clôture de ce mois de septembre. Alors, si ça clôture dans cette configuration, attention les dégâts, parce que ça s'annonce très vendeur. Et en tout cas, sur une semaine, on a plutôt d'excellentes nouvelles puisque les vendeurs dans cette configuration-là pourraient reprendre le dessus pour refaire un nouvel ATH, bien qu'il n'y ait rien de sûr actuellement. Et en un jour sur le très court terme, nous semblons pouvoir tout simplement revenir sur une hausse. Cependant, attention également aux chartistes qui connaissent un petit peu les graphiques. On a quand même une épaule tête-épaule qui est en train de se dessiner. Donc si ce niveau, ce qu'on appelle la ligne de coup, casse aux alentours des 0,0025049, nous redessinerons la baisse qui est ici à l'équivalent de la baisse précédente. Je m'explique. On va retracer tout simplement ici, tu vois, la baisse qu'on a. Et si ça casse ce qu'on appelle la ligne de coup que je vais dessiner juste ici, c'est ce qu'on appelle la ligne de coup sur une épaule, tête, épaule. Voilà, donc la ligne de coup qui se conserve juste ici. Donc si on casse ceci et si le signal se confirme en un mois dans cette clôture, il y a de fortes chances qu'on redescende à l'équivalent de cette première poussée baissière qu'on a eue pour redescendre à l'équivalent de revenir à zéro.
Bon, est-ce que cela va arriver? Peut-être pas, mais ça reste envisageable, ça reste très risqué. Encore une fois, une semaine, on est vraiment sur des perspectives qui sont haussières. Sur un mois, il faut attendre la clôture. Sur du très court terme, on attend de voir si ça va former réellement l'épaule tête-épaule et casser la ligne de cou. Donc soyez prudents. Encore une fois, téléchargez le e-book. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses et de nouvelles vidéos. Ciao!